Jodi, nou nan tan coronavirus. And then, yo di, mais ki précaution nou dwe pran pou nou protéger tèt nou. And then, ou même, ou tellement qu'on a gen onksyon nan la vou, ou tellement qu'on est bon jan dan, ou tellement qu'on est pas gen ta fè ou, et puis tout ou pas mettre masque nan figyo. Et puis tout commencer à battre tout le monde la main, et puis tout l'arrivé la caille, ou pas même laver, mais ou même. You are being foolish. Si, aïe aïe aïe, m'pas qu'on est comme exposé à un monde qui est malade. Si, m'pas qu'on est, monde ça c'est ennemi m'nié pour m'pas lage fal mouen en mel. Si m'pas qu'on est, m'en a fait à méchant, qu'on y a là, bon Dieu, qui ou m'pas qu'on est, la protège même si nan méchanceté yo yo ta fon poids yo ta fon manger et pou ti yo met ton poison ladan et puis tout m'pa konnen manger bon Dieu a protège mais si m'connaissais ennemi mouillé si m'konnen pa vle wèm c'est pas bon Dieu qui dit pour me manger pour me prendre pour me descendre dans votre moi I am being foolish. Mesdames, Messieurs, salut. N'a continué avec série de messages non sur le psaume 91 autour du thème à l'ombre du Tout-Puissant. Nous espérons que nous sommes bénis et nous encourager pour capable suivre série et partager avec vos amis, avec vos familles et ça va pour vous-même, une source de grâce et de riches bénédictions. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. C'était capable de prier. Notre Père et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons, nous te remercions pour faire grâce au fait, nous pour nous capables d'en présence sur ma terre. Merci pour ce que vous faites dans la vie, nous des choses extraordinaires. Bagaille, c'est vous-même seul qui a fait. Et parce que c'est vous-même qui fait, nous venons en présence sur ma terre pour nous remercier. Nous demandons pardon, notre Père et notre Père, pour ce que nous avons fait du mal à tes yeux. Et ce... Assistez-nous avec puissance, assistez-nous à mes fautes et permettez que parole soit capable de joindre chemin que nous et non à va glorifier. Ou même qui tendez la prière, tendez prière ça que nous adressons devant nous et fais-nous grâce. Dans nos Jésus, nous prions, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Je vous demande pour capable de faire Bible ensemble avec moi dans Psaume 91. Psaume 91, nous prenons lire deux textes qui prennent Chita, enseignement à Soya. Nous prenons lire Psaume 91 et après ça, nous prenons lire dans Luc chapitre 4. Psaume 91 et Luc chapitre 4, versets 9 à 12. Nous prenons dans Psaume 91 dans un premier temps. Et nous pourrons aller dans Luc chapitre 4, versets 9 à 12. Mais qui sa parole, bon Dieu dit, nous sommes en psaume 91, et je lis pour vous les versets 10, 11 et 12. Il dit comme ça, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et ma demande pour aller ensemble avec moi dans Luc chapitre 4, versets 9 à 12. Nous sommes en Luc chapitre 4, versets 9, 10, 11 et 12. Et mais qui ça, parole bon Dieu a dit. Dit comme ça, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
I need help. Chantez, chantez ça pour moi. My storage is empty and I am available to you. Lord, I'm available to you. My hand I give to you. I'll do what you say, do you say, Lord, to show someone the way? Yes, God. And enable me to say, I need your help, God. My soul, I need your help, Father God. Is empty, and Holy Spirit, I help me. Sing it, please. Sanctuary, because we know that you and you alone can fill us. I need you, Lord. I need you now. Fortifie ton serviteur. Enlève de mon cœur tout ce qui est contraire à toi. Et pour l'amour de ton nom, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Take everything that is not of you away from me, God. And give me a clear mind. Donne-moi un esprit qui claire. Délie ma langue et donne-moi la parole facile. Je m'humilie devant toi et je reconnais ma faiblesse. Tu dis dans ta parole, ô Dieu, ma force s'accomplit dans la faiblesse. In my weakness, oh God, show your strength even today and save your people. Donne-nous nos paroles qui a fait du bien à l'homme. Donne-nous nos paroles qui a fait du bien à cœur nous, à l'esprit nous, à être nous entièrement. Que nous sommes capables de glorifier encore une fois. You've used me before, God. Tu m'as utilisé avant. Utilisez-moi encore. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Thank you, God. Thank you, God. Amen. Thank you, God. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Il y a un arbre de la famille des sapindacées
originaire de l'Afrique de l'Ouest et cultivé dans les régions tropicales du monde qu'on appelle Aki. Le nom générique est Biglia, ainsi appelé en hommage à William Bligh, un administrateur colonial et officier de la marine britannique qui rapporta cette plante de la Jamaïque aux jardins royaux de New en Angleterre. On croit que cette plante, qu'on retrouve notamment au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, parmi d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, aurait été introduite aux Antilles en général et à la Jamaïque en particulier en 1778 par un bateau qui faisait la traite des Noirs. Le fruit de la plante s'appelle Aki, Ari du pommier d'Aki ou tout simplement Ari. C'est un fruit délicieux. L'Aki, à la morue saoulée en anglais Aki and Saltfish, est le plat national de la Jamaïque, mais sa consommation n'est pas sans danger. Quand on mange l'Aki vert ou trop mûr, cela provoque une condition clinique qu'on appelle la maladie des vomissements de la Jamaïque. Yon nan symptôme ou bien deux nan symptômes qui pissent sauvage de cette condition clinique, ce sont les vomissements et l'hypoglycémie. Qui ça qui hypoglycémie, hein? C'est le sucre au bas. Cette maladie entraîne des convulsions et même la mort. Viennent alors les questions. Pourquoi quelque chose de vital à la condition humaine peut causer à l'organisme des dommages irréparables? Pourquoi quelque chose de si délicieux, quand il est consommé avant ou après le temps de maturité, entraîne-t-il la mort? À quai, l'obran, les murs, les capables de faire du bien au corps, mais l'on mange le verre ou bien trois mules à tuer. Je me suis rendu compte que il y a une autre chose très vitale et qui est aussi et même plus dangereuse pour l'humain que Aké. Et cette chose-là, believe it or not, c'est la Bible. There is something more deadly than Aké and swordfish. Something that can kill you when you take it before time or wrongly. And that thing is the Bible. L'écriture mal appliquée ou mal interprétée peut apporter la mort. Et nous jouons le principe ça dans la tentation du Jésus au désert. La tentation du Christ au désert, c'est un épisode les plus marquants de la vie du maître. Rapporté dans les synoptiques et omis par Jean, elle révèle un temps puissant dans la lutte de Jésus contre les forces du mal et la détermination de Satan à garder l'humain sous sa domination par la séduction et la désobéissance, coûte que coûte, quoi que ça coûte. En Matthieu, Marc et Luc, le Saint-Esprit ne préserve pas Jésus de cette confrontation avec... Attends-moi que Saint-Esprit, mon Dieu... pas permettre Jésus rentrer dans duel ça avec Satan lui. But this is not what the text says. En Matthieu, Marc et Luc, le Saint-Esprit, au lieu de préserver Jésus de cette confrontation, l'emmène, le pousse et le conduit au désert. Why? Afin qu'il soit tenté par le diable. Nous savons que Dieu ne tente personne et ne peut être lui-même tenté. Nous devons aussi comprendre que Dieu ne nous garde pas toujours de la tentation. Cette confrontation est nécessaire. Why? Parce que pour sauver l'humain, Jésus doit triompher là où l'homme a été vaincu. Jésus doit réussir là où l'homme a échoué. And the Holy Spirit will not shy from the fight. He led him into it. Some fights are necessary. There are things that you have got to face once and for all. And the Holy Spirit will not shy you from them. He will lead you into them. Parfois, Dieu enlèvera sa main et permettra à l'adversaire de nous tenter et de nous assommer. Sometimes, God will permit the devil to try you.
God will allow you to experience some stuff. God will remove his sheltering hand and let you feel the breeze. God will let trials and troubles come your way. And yet, God will tell the devil, you can go forward. Notez ce que le diable... Diable là, nos tentations ça, c'est pas un démon voyé. The devil came himself. Le diable vient lui-même tenter Jésus. Après 40 jours, texte de Matthieu, il lui propose de transformer des pierres en pain pour calmer sa faim. Se jeter du sommet du temple de Jérusalem pour voir si Dieu le protège et retient sa chute. S'incliner et se prosterner devant le diable pour obtenir le pouvoir sur tous les royaumes de la terre. Le texte de Luc présente une histoire très similaire à celui de Matthieu, sauf que la deuxième et la troisième tentation ont changé. Certains théologiens croient que Luc le fait ainsi pour être, pour le capable de terminer récit là avec Jésus à Jérusalem. Je crois personnellement que la scène peut avoir lieu comme Luc le rapporte pour démontrer que la tentation la plus fatale n'était pas de changer les pierres en pain, de se prosterner et d'adorer le diable, mais pour démontrer que la tentation la plus fatal. Ça lié, c'est lorsque on moun mal utilisé la Bible et on mal interprété les Écritures. My God, stay with me now. La tentation de Jésus dans le désert, ou après c'est celle côté de la Bible. Satan récitait le verset. Premier la Bible. Nous, ouais, Satan utiliser la parole de Dieu, c'est dans le jardin d'Éden. Then he used the spoken word of God. And now, with Jesus, he is using the written word of God. Dis seulement d'un côté, où est Satan utiliser la parole de Dieu, mot à mot, l'utiliser dans le jardin d'Éden. C'est ça, l'utiliser la parole parler de Dieu. Et utiliser dans le désert de la tentation avec Jésus. Et laisse ça, utiliser la parole écrite de Dieu. Dans le désert de la tentation, aïe aïe aïe, l'utiliser Somme 91. Avec Adam et Ève, l'utiliser sac sorti dans la bouche de Dieu. Dans le désert, avec Adam et Ève, poser la question, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Avec Jésus, il uses Psalm 91. Et moi, je crois que, il y a une tentation qui est terrible, ce n'est pas le sexe. I believe that one of the most deadly temptations, ce n'est pas l'argent. Mais il y a une tentation qui est terrible. C'est lorsque Satan utilisait la Bible. Mais attendez bien, meilleure façon pour contrôler yon moun, c'est pour contrôler jan moun nan pense. Quand tu contrôles la façon de penser d'une personne, tu contrôles la personne entièrement. Et yon groupe moun plus difficile pour aider dans le domaine de la santé mentale. It's not working. Yeah. Yon ne goup pou e I may as well use this, right? Yeah. Let me use this one because mbareme tiratman sa. Thank you. Yon ne goup moun ki pi difficile aide un domaine te mental. C'est moun fri de maladie yorile. Thank you. Yon nan groupe moun ki pi difficile pour aider dans le domaine de la santé mentale, c'est moun ki ke sa rele fixation. Stay with me. Ou yon rele en français également, yon idée fixe. Lorsque, et tenez bien, oui,
très bien. Yon nan group moun, m'a dit encore. Yon nan group moun qui peut difficile pour aider dans le domaine de la santé mentale, c'est moun yo qui souffrit de ça relé yon fixation ou bien yon idée fixe. Qui ça relé en idée fixe? En psychologie, une idée fixe est une préoccupation mentale tellement forte qu'il était possible de la modifier. Yon moun qui kon fixation ou bien yon idée fixe, li difficile pour retirer dans tête li. Et yon a idée fixe qui pi difficile pour retirer dans tête au monde, c'est yon idée fixe qui lié à sa oule la religion. Jésus devant pharisien yo, Dieu en personne, avec la puissance, les miracles, les guérisons et les exorcismes et tout. Paul dit nous en Colossiens chapitre 2 verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Yet they still did not believe it. They still would not believe in him. Why? C'est parce qu'ils avaient développé des idées fixes par rapport au Messie et ne pouvaient s'en défaire. Au monde qui ont idées fixes, même le Saint-Esprit bon Dieu a manifesté le pas senti ça. Même l'Éternel t'a pas devant la personne, ni pas capable de ça. Why? Parce que la personne a une fixation. Bad theology is bad. Bad hermeneutics is bad. Bad interpretation of scripture is bad. Et regardez comment Satan utilisait la Bible. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et avec ces mots, avec les mots de Dieu, Satan avance. Il y a une attaque qui est mortelle sous Jésus. Il invite Jésus pour Jésus font bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu. Qui sait tenter Dieu. Il y a un texte dans Deutéronome qui dit tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Tenter Dieu signifie mettre bon Dieu en position pour l'obliger à agir. Tenter Dieu veut dire mettre bon Dieu en position pour l'obliger à faire bagaille. Une façon de tenter Dieu, c'est aller camper sous Aïwea pendant l'issue que l'après-midi. Et puis tout dit bon Dieu a protégé moi et puis tout camper à Eoya et puis tout deux mots en l'air et puis tout attendre pour bon Dieu protéger. Tenter bon Dieu c'est aller dans Miami Zoo. Et puis tout l'arrivé dans Miami Zoo, yo dit moun pas mettre méo et l'autre bord barrière pour bête pas manger et puis tout déclarer bon Dieu t'a protégé Daniel. Et bon Dieu a protégé moi tout. Tenter Dieu c'est mettre bon Dieu nos positions quand on est obligé à agir. Et ça, un peu de monde pas connaît. Bon Dieu, pas obligé de faire rien. God cannot be controlled, Wabi. God cannot be manipulated. Pas grand-chose capable de faire pour manipuler bon Dieu. Bon Dieu agit l'élevé, s'il voulait, j'en voulais, pour mon livre. Et c'est ça que fait serviteur. Bon Dieu, même à bouche, il parlait. Il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tenter bon Dieu is flaunting. One of the ways you tempt God is flaunting. Is when you're trying to show off. To show that God is with you. And sometimes you will do some stupid things. Sometimes you will say some stupid stuff. Sometimes you will place yourself in arm's way because you want to show your anointing. You want to show that God is with you. You want to show that the heavenly angels are watching all over you. No, no, no. That is not what the Bible says. Une autre façon de tenter bon Dieu, c'est lorsque il agit avec frivolité. Not being careful. Not being responsible. Not being c'est là où on a agi vaille que vaille ou pas fait bagaille bien. Qui dit donc bagaille?
Et je pense que nous comprenons ça, je ne dis pas. Je crois que mon Dieu a des capacités pour protéger. Et je crois que mon Dieu a protégé. Mais le fait que je chrétien, ça ne veut pas dire pour me frivole. Ça ne veut pas dire pour me négligent. Ça ne veut pas dire pour ne pas faire attention. Je dis que, une façon de tenter mon Dieu, ou to tempt God is to be flaunting, to show off your power and to expect God. Tenter mon Dieu, c'est lorsque, ou à demander une bataille. Négla pigou nèg pas soin pour attendre pour bon Dieu venir pour battre négla pour. Tenter mon Dieu, c'est l'agir avec frivolité. You not being careful. You not taking time to choose your friends carefully. You c'est lorsque ou faire de la vie ou yon vie quand on pas gain barrière, n'importe monde qui vient nous quitter l'entrée. You being frivolous and you being downward stupid. Tenter mon Dieu, c'est la façon de tenter mon Dieu is flaunting, tenter mon Dieu is frivolous, tenter mon Dieu is foolish. Une vertu que yon exalté dans la philosophie grecque, c'est ça où est la prudence. La prudence, c'est la capacité d'être discipliné, c'est la capacité de se maîtriser, c'est la capacité d'utiliser la raison dans les décisions de la vie. Faut prudent dans ce qu'on fait. Faut sage dans ce qu'on fait. Faut utiliser la raison dans ce qu'on fait. You cannot be foolish. You have to be prudent. Yo dit, nous n'entendons coronavirus. And then, yo dit, mais qui précaution nous devons prendre pour nous protéger tête nous. And then, ou même, ou tellement qu'on a une onction dans la vie, ou tellement qu'on est bon Dieu dedans, bon, ou tellement qu'on n'est pas gagné ta faire, et puis tout pas mettre masque dans la figure, et puis tout commencer à battre tout le monde la main, et puis tout l'arriver la caille, ou pas même laver, mais ou même. You are being foolish. Si, aïe aïe aïe, je ne pas qu'on est comme exposé à un monde qui est malade. Si, je ne pas qu'on est. Moun sa se ennemi mniye pou m'pa lage fal mwen nan men. Si m'pa konne mwen a fè a méchant, koun ya la, bon Dieu ki wè m'pa konne, la protège m. Même si nan méchanceté yo, yo ta fò pwa, yo ta fò manje, et puis yo met ton poison ladan, et puis tu m'pa konne manje, bon Dieu a protège m. Mais si m'konne se ennemi mouye, si m'konne pa vle wè m, c'est pas bon Dieu qui dit pour me manger, pour me prendre, pour me descendre dans votre moi. I am being foolish. Il raconte histoire, un nèg qui était dans île et puis tout pendant monsieur dans île là pour contre lui. Et puis tout regardez, tout le monde allait, on dit monsieur allait météo a dit bagarre la pral mauvais. Nous pas t'arrêter sur l'île là, faut aller. Et puis tout monsieur dit nous pas besoin de fatiguer nous pour moi non. Monsieur serviteur bon Dieu, on qui sont bon Dieu en dame. Pas grand qui arrive. Et puis tout, autorité, pas dans goût, ma monsieur, tout le monde fin aller. On y a monsieur pour coller sur l'île là. J'attends pour bon Dieu délivrer. On y a, out of nowhere, un bateau qui a passé. Yo dit monsieur, on allait. Bagala commence à faire des gars en bas. Et quand pile le monde qui commence à mourir, monsieur dit, nous pas besoin peut-être, nous pas besoin de fatiguer nous pour moi, non. Monsieur n'a qu'il y a une onction. Bon Dieu a délivré. Et puis tout l'eau commence à envahir l'île là. Et pendant que l'eau envahit l'île là, comme ça, monsieur gardé, il y a un canot sans pas de pièces moun là-dedans. Et c'est un coup qu'on met qu'à diriger le canot là. Et puis tout le canot là vient camper beaucoup de monsieur. Monsieur dit canot. Et moi, je viens chercher. Vous n'avez pas besoin de fatiguer pour moi, non, canot. Bon Dieu a délivré, moi. Et puis tout. Quand notre là, tant que son monde qui parle à quand notre là, elle fait route. L'eau a fini. L'eau commence à prendre Michel en pied, à monter dans le rein, à monter dans l'estomac. Et puis tout le dernier hélicoptère qui a passé. Pendant l'hélicoptère a passé, le bout de tête Michel qui était, il y a un col par Michel pour Michel monter. Michel dit, mais c'est pas besoin de faire pour moi. Donc, c'est mon Dieu en dame. Bon Dieu a délivré. Et puis tout l'eau prend monsieur, la lavelle ciel li pété. Et puis tout l'aime monsieur arrivé dans le ciel.
Bon Dieu dit, monsieur. Monsieur dit, bon Dieu, Seigneur, ça fait comme ça. Monsieur dit, Seigneur, jamais c'est nègre qui font confiance, nègre ou utiliser, nègre ou mettre action en dedans, ou qui t'aime mourir dans une situation pareille. L'Éternel dit, my friend, me voyez bateau pour vous, ou pas monter. Me voyez monde pour vous, ou pas monter. Me voyez aucun autre sans capitaine pour vous, ou pas monter. Finalement, me voyez un hélicoptère passer pour prendre ou pas monter, ou mourir, c'est pas moi qui la cause. Mais tu as tenté Dieu. Le fait que mon Dieu a pas voulu être égaré, le fait que mon Dieu a pas voulu être stupide, le fait que mon Dieu a pas voulu être son monde qui sans intelligence, ou qu'on monde dans son méchant, son malveillant, il va manger, pas manger non même. Quand on arrive, ou déplace qui te mange sous table, l'entourner, jette-le. Yo, relè ça, prudence. So the enemy said, Jesus. Ennemi a dit Jésus, jette-toi d'ici en bas. My God. Question posée tête moi, Sendor, is, pour qui raison, diable n'a pas poussé Jésus en bas? He could have pushed him. Pour qui raison, why? Pour qui raison, diable n'a pas juste balancé un petit coup de poussade, un petit coup de push, un petit coup de épaule, un petit coup de derrière, et puis tout lagué en bas? He would have still accomplished his purpose. Stay with me now. M'daimon, comprenez l'évangile ça bien. Diable a connu que, li pas de pouvoir pour tuer Jésus. Mais il essaie de faire Jésus tuer tête li. Li essaie de faire Jésus. La essayer fait Jésus commettre ça relé le suicide. I'm going somewhere. Just stay with me now. Ennemi en connaît, il n'est pas capable. Attendez, oui. Ennemi en connaît, il n'est pas capable de prendre drogue là pour le fouer dans la bouche. Mais la dit ou qui stress, pour qui raison ou pas prendre drogue. Ennemi en connaît, il n'est pas capable de dissiper pantalon pour la guerre dans l'immoralité sexuelle. Mais ta voye, moun sou tout qui pou déraye ou. Il m'y en connaît. Li pa kap nan men ou pou l'fourel nan l'argent. Mais il connaît. S'il fait, yon met l'argent devant. Et puis tout la gon problème nan ouel ou. Ou ka tente pou voler. Il m'y en connaît. Que l'pa ka pousse ou. Mais il kapap di ou. La guette tête ou en bas. Li ka évite ou. Li ka incite ou. Li ka suggere ou. Li ka élucite ou. Li ka facilite ou. Li ka pa ba ou chou. Mais l'aime-li la parole de Dieu. Moi, rends-moi compte. Il y en a un bagage qui est dangereux. Ennemi en a utilisé pour atteindre le petit bon Dieu. Pour dérailler les hommes de Dieu. C'est lorsque l'écriture, c'est lorsque la parole est mal interprétée. C'est lorsque le Dieu lague combat. Des fois, tu comprends bien, c'est pas celle parole diable a mal utilisé, non. Mais si parole li utilise tout. Parole ou jouer dans la Bible pour faire mon prêcher. Ou qui doit attendre tout comme ça. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Ou qui doit attendre tout comme ça. Chaque fois, ma vie fait bien. C'est mal là qui paraît devant moi. Ou qui attendait tout, pas besoin de fatigue, non. Ou c'est pas seul monde qui tombe. Ou c'est pas premier pasteur qui tombe. Ou c'est pas premier évangéliste qui tombe. Ou c'est pas premier monde qui a prêché. C'est pas première fois. Eh bien, qui fait, qui crache dans le gouvernement. Ou qui doit attendre tout comme ça. Le juste tombe cette fois, mais il est relevé. Ou qui doit attendre tout comme ça. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui tient la main. Ou qui doit attendre tout comme ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ou que nous attendons, utilisons verset qui tout comme ça. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. En anglais, on dit, where sin abounds, grace abounds much more. Mais ça, nous t'apprenons à comprendre, son mauvaise interprétation des écritures que diable a utilisé pour le capable de faire tomber dans le péché. Ou que nous attendons, il dit, toujours ce
jour, ou qu'à adorer l'heure, ou qu'à doit attendre dit comme ça, ou qu'à manger sauvé, mais qui t'aime dit, c'est utiliser la parole pour le faire tomber, parce qu'en pile fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, puissance, yon seul péché, au seul péché, la guerre humanité dans problème, au seul péché, fait femme à souffrir, au seul péché, fait toute l'humanité déchu du salut. Au seul péché, fait Abraham manquer perdu madame ni. Au seul péché, fait Jacob obligé quitter Kaili. Au seul péché, fait Esaïe perdu droit de Nesli. Au seul péché, fait David, l'homme selon le cœur de Dieu, passer en pile année dans souffrance. Ça détruit petit fil Tamar. Ça amène la mort de ses trois fils. Amnon, Absalom et le nouveau-né. Yon seul péché, fait Saül, perdu trois noms. Yon seul péché, fait Samson, perdu deux jeunes dans tête lui. Yon seul péché, dirigé le royaume. Yon seul péché, fait Salomon, l'homme le plus sage, devenu vil. Yon seul péché, ta fond perdu grâce tout. Yon seul péché, ta fond perdu onction. Yon seul péché, ta fond perdu salut. Yon seul péché, t'as dérangé le plan de Dieu dans ta vie. Yon seul péché, t'as retiré onction. Li t'a retiré ni quoi. Li t'a retiré protection. Li t'a retiré grâce là. Please do not underestimate the power of one sin. Pas, on ne pas sous-estimer la puissance de seul péché. Au seul baiser volé, au seul acte d'immoralité, qu'a avili ou, qu'a détruit ou, qu'a détruit famille ou, qu'a détruit petit ou, et puis tout lagué sous la vie ou yon tâche, que un yen, pas jamais qu'a retiré. Jeune garçon, fais attention avec un seul péché. Jeune fille, fais attention, my God, avec un seul péché. Ananias mourit à cause d'un seul péché. Saphira périt à cause d'un seul péché. Oh God, have mercy on me. C'est pas des pasteurs qui tombaient. C'est pas des évangélistes qui allaient. C'est pas des hommes de Dieu, Satan a vili. C'est pas des femmes de Dieu qui étaient nos ministères qui parlent encore. God, have mercy. Oh, la puissance du péché. Jean dit comme ça. Sans vigilance, le plus vaillant tombe et offense en un moment. Monde qui pifoie dans l'évangile là. Serviteur qui pitchum dans l'évangile là. Monde bon Dieu plus à utiliser dans l'évangile là. Monde qui est plus option dans l'évangile là. Au seul grain de péché. Suffit pour finir avec. Do not, I beg you, young man, do not, I implore you, young woman, do not play with sin and do not underestimate the power of one sin. Je me toujours dit, je ne pas peur moun, je ne pas peur malfecté, je ne pas peur diable, je ne pas peur bata, je ne pas peur démon au nom de Jésus. Même peur péché. Parce que péché, c'est pas haut de mon Dieu. Il est retiré onction mon Dieu sur la vie. Il rend nous ordinaire. La qui est What makes Pastor Johnson,
It's not the education. Gen moun ki gen education. Gen moun kap mande, mais qui ça fait? Le Dieu du monde, Adventiste et de certaines églises de la réforme. Ça fait Géo sous Sinaï. It's not the equipment. Some churches have more than we have. It's not the musicians, although they are very well talented. It's not me. I'm nothing. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est le souffle divin. Et Satan connaît s'il poussait à pécher, fiel ou à péter, il connaît Sylvine Côté avec l'argent le pape prend. Li connaît Sylvine Côté avec orgueil, li pas prend. Li connaît Sylvine Côté avec immoralité, li pas prend. Et puis tout utiliser la Bible. Li dit comme ça. Pas fatigué, non? Seulement observer Sabbath. Just keep the Sabbath holy. And you're good. Et puis toi, viens l'église chaque samedi. Et puis tu pas manger viande cochon. Ils m'ont pas grand quelle relation avec bon Dieu. Vous pas jamais transformé. Ou à vivre jonglé. Ou parler jonglé. Ou faire sauver. Ou pas un monde qui a cherché mon Dieu la journée tant la nuit. Ou pas un monde qui pratique l'humilité. Ou pas un monde qui humilie devant mon Dieu. Ou pas un monde qui descend devant Seigneur. Ou pas un monde qui roule la terre. Pour demander onction. Pour dire cet esprit qui m'aime. Cet esprit dirige. Cet esprit maîtrise. Cet esprit contrôle. Les désirs sont venus. Et puis tu dis cet esprit prend contrôle moi. Uses the scripture. Et puis tu dis tout ce qu'il faut faire. Juste observer ça bas. And then you're good. Pas manger viande cochon. And then you're good. Et puis tu dois rentrer dans l'église là, l'on perdu. Ou pas même contre ça même. Moi dis que tentation, méthodologie qui est terrible que Satan le diable a utilisé. C'est là qu'elle prend la Bible. Et puis tout le beau, on verset mal interprété. En Matthieu et Marc, oh help me Holy Ghost. En Matthieu et Marc et Luc, nous voyons cet esprit qui poussait Jésus, qui conduit Jésus, qui menait Jésus au désert de la tentation pour qu'il soit tenté par le diable. Mais bon, bagage, cet esprit fait, alléluia, avant que cet esprit menait Jésus dans le désert, avant que cet esprit poussait Jésus, amen, dans le désert là, gloire, avant que Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert là, le Saint-Esprit remplit Jésus. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Esprit blende Jésus. Le Saint-Esprit armait Jésus. Texte a dit, Jésus, après avoir été baptisé, fut rempli du Saint-Esprit. Il laissa à toi le Saint-Esprit mener dans le désert. Saint-Esprit qui est rempli. Saint-Esprit qui est blende. Because cet esprit connaît que l'humain pas capable de bataille pour contre lui avec Satan le diable. Bon Dieu connaît avec force pam mon pape qui a campé devant Satan. Il dit mon compte ça qui passé. Moi va le faire bagarre pour vous. Et Jésus connaît mitraillette pas capable devant Satan le diable. Jésus connaît revolver pas qu'à camper devant Satan le diable. Jésus connaît char de guerre pas qu'à camper devant Satan le diable. Et puis Jésus dit m'bral font bagaille pour. M'bral ba yon épée. Amen. M'bral ba yon épée. M'dit qui épée ça est. Le malais dans Ephésiens 6. Et puis tout Paul a parlé des armes de l'esprit. Il dit dans Ephésiens chapitre 6. Prenez par-dessus tout, l'épée de l'esprit qui est la parole de
de Dieu. Amen. Prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit. Amen. Qui est la parole de Dieu. Moi dis prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Moi dis comme ça. Prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Moi dis prenez. Je dis prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Moi dis prenez. Moi dis prenez. Quand on est la caroua, râlez l'épée. Quand on est la caroua, râlez samna. Quand on est la caroua, râlez freine. Jésus dit comme ça. Je ne vais pas parler en pile avec vous. Seigneur a dit comme ça. Je ne vais pas trop discuter avec vous. Et tout Seigneur. Râlez l'épée. Le diable a dit comme ça. Hey, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus râlez l'épée. Et puis nous le frapper. Et puis nous dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les ennemis ont déclaré. Il dit comme ça. Si tu prosternes, si tu te prosternes, et puis nous si tu m'adores, ma parou, les royaumes de la terre et leur gloire. Et puis tout le temps de Jésus qui répond, lui, Jésus dit comme ça, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Les ennemis finis avec une mauvaise interprétation de la parole. Et puis tout Jésus déclaré, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Des fois, l'ennemi a pris toute qualité parole, pour toute qualité causée, pour faire toute qualité bagaille. Ou même, ou a besoin râler et péa. Et pour déclarer, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les présenter les richesses de la terre, les gloires de la terre, ou a besoin râler et péa. Pour dire comme ça, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. L'aile râler, eh bien, épelli pour dire, manger toute bagaille, ou a besoin râler épéa. Et puis pour déclarer à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. L'aile vini devant moi. Et puis lui dire, je t'offre la terre, je t'offre le présent, je t'offre les biens passagers. Ou a besoin râler épéa. Et pour tout pour déclarer, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui cause ma chinois fin là, l'Éternel prépare puis mon bagage pour moi. Qui cause caille ou fin parler là, l'Éternel prépare puis mon bagage pour moi. Qui cause plaisir ou fin tim là, l'Éternel prépare puis mon bagage pour moi. Qui cause des pièces car ou fin chanter là, l'Éternel déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Anglais a dit, there are many mansions. C'est pas une pièce caille, c'est pas deux pièces caille, c'est pas trois pièces caille. But we're talking about mansion. Et puis tout, mansion in the best of neighborhood. I'm not talking about Parkland. I'm not talking about Western. I'm not talking about Long Island. I'm not talking about Aventura. I'm talking about the heavenly Jerusalem. I'm talking about the house of God. Je parle de la maison du Père. Ma parole, m'entendez, c'est l'idée à dire. Pour qui moun, palais cristal ça, c'est pour moi, à Jésus-Christ. Pour qui moun, faute en os à yo, c'est pour moi, à Grâche-Déo. L'aile dit où? Vous souffrez trop. L'aile dit où? Ou t'es trop patience. Démêlez-vous pour fond bagaille. Dégagez-vous pour tout nos bagailles.
Et puis tout le proposer toutes vieilles bagailles, toutes vieilles façons pour faire. On a besoin de râler PA. On a besoin de râler PA. Et puis tout pour déclarer nos moments de légère affliction produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Les ennemis en forêt, ouais, baguette la vie même pour vous. Pour ta bien, c'est tuer pour ta tuer tête. Ou a besoin râler et péa pour déclarer le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. En anglais, il dit comme ça: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Les ennemis rangent col pour le faire show off. Les ennemis rangent col pour le rendre frivole. Les ennemis rangent col pour le faire foolish. Ou a besoin d'aller péa. Les lacs fait noir dans la vie. Ou a besoin d'aller péa pour dire: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Là, il dit, ou pas, bon Dieu, abandonné. Ou pas, dans la détresse, la Seigneur a quitté. Ou a besoin de râler PA pour dire: Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus bat ennemi. Jésus calé ennemi avec l'épée de la parole de Dieu. On vit dans des temps difficiles. On vit dans des temps incertains. Qui mandait nous pour nous faire bon Dieu confiance. Mais qui mandait nous pour nous prudents. On vit dans des temps incertains. On parle de récession. On a besoin ou même la tête tout dans le repos. On vit dans des temps incertains. Côté ennemi a utilisé la Bible, la parole de Dieu, pour faire moun penser toute qualité bagaille, pour laguer dans le doute. Bon Dieu veut qu'on ait ou même si vous marchez selon sa volonté, c'est dans deux plats mais le crouillé. Aïe aïe aïe. Sendor man, you are in the hand of God. I hear Allstate says, ask the questions. Are you in good hands? But I find out that sometimes the hands that you think are good turn out to be not so good. Même vlo konnen. Si ou kwe ou lage ou nan deux plamé papa bon Dieu. Bon Dieu qui dit il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront au garde sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah. Si bon Dieu pas de votre petite lit sous mes messieurs, fiel nous t'a fait, eh oui. Parce que qui petit message ou à soi même? Nous disons que c'est sous même thème, non? Bon Dieu promet toute protection. Et c'est dans deux plamés, papa, bon Dieu, qu'on y est. Nous avons besoin de faire pile attention. Pour Satan, pas utiliser la Bible pour le péter fiel. À qui un saltfish is good, mais l'on prend à qui a vert ou bien l'air trop mis, il peut péter fiel. Mais passe. What do I do? Je ne sais pas si je ça pour faire. Ou à lire la parole. Mais on a besoin de dépendre du Saint-Esprit. Qui pour avoir le discernement. Et pendant cet Saint-Esprit a bon discernement, la pédo comprend les ruses du diable. La pédo fait confiance à la parole. Et on est capable de dire:
c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime. Il me protège. Il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Nous espérons que nous avons été bénis par message ça. Nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou faire via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côtoyer et gens qui plus facile pour vous. Nous disons bon Dieu merci pour le ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former monde, édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guérons dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remercions, nous remercions tout. Bye bye.